Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate 3. On est en compagnie de Vincent. On a battu, enfin on a presque battu le général Kaitric Thorn qui était sur le toit ici, hein, dans l'épisode précédent. On a essayé de fouiller un peu les étages de la tour d'Haute-Lune. Et il a invoqué carrément un illitide, une tentacule qui a carrément tapé Chante-Nuit. Et là il s'est barré avec, en s'enfuyant par ici. Donc écoutez, on va y aller, on perd pas plus de temps, on saute. Et on va essayer de s'engager là-dedans. Ça craint, hein. Mais on y va. Oh merde. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. Ah, donc là on est arrivé dans le sous-sol. Putain. Ouais, d'accord, on est de l'autre côté, ça marche. C'est bien ce que je voulais. Ok, bon. Merde. Va falloir tirer tout seul à Starion, hein. Parce que là, je pense qu'il y a des petits cerveaux de merde là. Et je crois qu'ils vont vouloir nous affronter, hein. C'est pas possible. J'y crois pas une seconde qu'ils veulent pas nous faire notre fête, quoi. Dévoreur d'intellect, hein. Il est niveau 1 en plus. Tread carefully. We are very close to the source of the absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Ça me semble très bizarre qu'ils veulent pas nous faire notre fête. J'ai pas confiance, moi. Je vais me les faire, hein. J'ai pas confiance du tout, quoi. Ouais, j'ai pas confiance, hein. Moi je me l'ai fait, hein. Ouais, c'est bon, il y en a trois là-bas. J'en ai rien à foutre. Quand même un deuxième qui est revenu, hein. Alors c'est lui qui a vu, ok. Tiens, bouffe. Du con. On passe notre tour. Il va foncer, je pense, hein. Bon, ça va, rien de dangereux, on va pouvoir l'éclater. Bam. Dommage qu'il soit pas mort. Ah, 140 points d'XP pour péter un dévoreur d'intellect quand même, c'est pas dégueu, hein. En plus ça donne du matériel alchimiste. Allez hop. J'en ai rien à foutre, je les défonce eux, hein. C'est bon, c'est sacrément de la merde en plus. On peut aller par là apparemment, c'est par là qu'il y a Thorn, hein. À tout de Zariel autour de Haute-Lune. At the ready.
On va quand même aller là-bas, hein. Porte de chair, on y va. Oh, ce bordel. C'est qui coupe-coupe, là? C'est qui coupe-coupe? What the fuck, c'est qui ce mec? Tu peux te parler, peut-être? No will sparks behind his eyes. His mind and you could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could. Quel est cet endroit? Cherche votre maître, Ketrick. Est-il vous insinuer dans son esprit? Ma down deep one of three. Chop chop. Help them become. Yes. Please. Ah ouais, d'accord, puis dans l'acceptation, quoi, le mec, quoi, c'est... Ok, bon bah, écoute, hein... Ils sont surpris. Ta-ta-ta-ta. Allez hop! Ils sont tous surpris, ils jouent pas. On leur défonce la tronche. J'ai dit on leur défonce la tronche. Ouais, porté par le vent, je peux faire, mais bon, après je pourrais pas attaquer, donc ça sert un peu à R. Il y a encore pas mal d'ennemis. Hein. Les dévoreurs d'intellect, là, ils sont niveau 1 et on peut quand même essayer de les défoncer. Ouais. Petit cône de glace pour deux trucs de merde comme ça, tu sais. Non, on va essayer de les défoncer à la loyale, je pense. Ouais, oh, allez, nique sa mère, allez, c'est bon, je m'en fous. Voilà, c'est bon, ça dégage. La boule de feu, ça règle tous les problèmes, hein. Peut-être faire un rayon traçant. Allez go. Ah je le rate, c'est quel dommage hein. Allez boum. Oh le critique, il a un PV. Il va quand même attaquer en broker lui hein. Il rate, bah c'est parfait, écoutez on va pouvoir les défoncer. Allez go. Ça par contre c'est un peu dégueulasse hein. Pour la peine. Voilà. Allez hop c'est bon, ils sont tous morts. Bon. Voilà coquille vide toi. Bon on l'a défoncé hein, du coup. Le pauvre. Valait mieux ça je pense hein. Allez coupe coupe. Ah putain le pauvre quoi, cube en bois. Il avait plus de volonté propre. Hein. Esprit massacré, c'est quoi ça? What the fuck? C'est normal ça? Va le jeter, va le lancer. D'accord, ça casse pas en tout cas, ok. Toucher, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai peur, maman. C'est n'importe quoi, hein, j'avoue. Waouh. N'importe quoi. Tu peux retoucher? Non d'accord, il n'y a qu'un seul cadavre à chaque fois, hein. C'est bon, on peut pas en demander plus. Ah le mec il était énervé hein. Go. What do we have here?
pense que c'est des méchants là. Horreur et les... Ouais non, je crois que là... Y'a même pas à parlementer là, c'est vraiment de la dope quoi, c'est tout, point barre. Oh quel enfer, c'est quoi cet endroit? Ouais, ils sont rouges, hein. Ouais, ils sont rouges, c'est-à-dire qu'ils nous attaquaient à vue ces connards, ok. Et bah Astarion, tu vas commencer. Ouais, ouais, zombie supérieur en plus niveau 7 là. Pouah. Allez, on sauvegarde. On va essayer de prendre l'avantage dans ce combat à la con, hein. Qui c'est qui me voit là? Qui c'est qui me voit là? Ah, y'a un berger des enfers là. Critique, je suis pas en sortir, ce serait déjà bien. Allez bam, en moins. Ennemi surpris. Sauter de là. Bon, je me suis quand même fait toper, dommage, hein. Je me fais toper. Et Gale, bah, ce sera le dernier, hein. Si je pète ça en vrai. Allez bam bam bam, c'est bon, ça a bien marché. Ça a bien marché, j'ai fait un petit carnage là, nickel. Ok. Ok, voilà, c'est ce que je voulais voir. Bon, Astarion, du coup, tu vas devoir avancer un peu, hein. Ils sont surpris, ils joueront pas. C'est bon. Toi, mon gars. J'ai réussi à le corps à corps de celle-là. Main que je la défonce, hein. Ah putain, par contre, elle a quand même esquivé ça, ça me rend dingo. Putain, je peux pas sauter sans déconner. Ah, oh, l'arnaque, je perds un tour, quoi. Objet, je peux pas acheter une flèche de feu, une connerie. Ténèbres ici, tiens, go. Allez, bam. Recœur. Sensible à quoi, toi, l'horreur volante, là? Ouais bon, tu t'es sensible un peu à tout ce que je t'envoie dans le cul quoi, donc ça va. Ah, petite colonne de feu là, ouais, ça peut être pratique là, j'ai envie. Ici là. Bam, voilà, bam. Oh, ils ont pas aimé, hein. Le berger de la mort là. Ça pleut. Voilà. Il a cramé, ok, nice. C'est ce que je voulais voir.
toi là, j'aimerais bien te défoncer. Je sens que les aurores ailées, c'est casse-couille, hein. Ah, dommage, raté. Elle va foncer, elle, hein. Beaucoup d'ennemis, hein. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Il était complètement bugué, j'ai pas compris. Bon. Je vais devoir quand même claquer un saut là. Et bon, ça en vaut la peine parce que je vais le défoncer là. Pas mort, mais c'est pas grave. Allez, ça décède. Ok, il tape un vol pour aller sur moi. Je suis paralysé, sérieux. Putain, c'est réel ça. Oh, quelle arnaque. Bam, en plein dans sa gueule, voilà. Pas de repos pour les braves. Non, c'est hors de question. Tu feras pas ça, toi. Attends que je te fasse ta fête, toi. Kikti. C'est vrai que lui j'aimerais bien le défoncer. Si on renvoie des morts vivants, ce serait pas des hannes piqués, des hannetons en vrai là. Hop, effrayé là, c'est pas plus mal. Bam. Ta gueule toi. Oh les zombies là, ça je me fais pas trop de soucis là, je pense qu'ils vont juste foncer et basta. On lui crame, ça va. Putain, quelle zone de merde, hein. Je m'attendais pas à me taper un combat comme ça encore une fois là, hein. Bon, lui, vu qu'il est effrayé, j'ai plus qu'à lui faire sa fête, j'ai envie de dire là. Et j'ai envie de taper le berger là, hein. Il va casser les couilles. Voilà. Bam. Il est effrayé, lui, c'est cool. Bon, je vais être paralysé, je sais pas combien de temps par contre là, hein. Ça va être chiant. Je peux le sortir lui, ce serait cool. Bien joué. C'est bon, le berger de la mort il est sorti, plus chiant est sorti. Ok. Bon, toi là. Hein. Incroyable que ça suffise pas. Hein. Taper un vol là, non? Pas ouf, hein. Là, je prends un coup critique, évidemment, hein. Je vais mourir avec... Oh là là, mais quelle connerie, hein. Je me suis fait éclater la gueule, quoi. C'est n'importe quoi. Et j'ai pris que des critiques, en plus. C'est ça qui me rend dingo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu peux pas aller l'attaquer? Bien joué. Ok. Alors, on va le relever, c'est bon. Au moins, il est plus paralysé là, faut arrêter les conneries quoi. Bam, voilà. Il n'y avait pas un là que je pouvais faire là. Ah d'accord, je pensais. Bon bah non. Les boules. Bah, un petit renvoi des morts vivants là, ça peut être sympa, hein.
Ok, j'en ai cramé un toujours. Ça pluie là. Je le rattorque, il est par terre. Très bien, je le vis bien, ça va. Hein. C'est nice. D'accord, on tape là, ouais. Bam. Ils sont en train de se barrer eux, c'est cool. Il est plus effrayé du coup, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas le plus important. Pas du con. Ah putain, fais un effort, je t'en supplie. Voilà. Ouais. Encore un petit point de ki, s'il te plaît. Bam, voilà, dégage. Ah, le zombie supérieur là, il m'emmerde quand même, hein. Ouais, il sort à deux là pour sortir celui-là. Oh, même en fait, le sort de glace suffira, je pense, hein. Ouais, bam. Pourquoi il a eu un point de vie en plus? J'ai pas compris. Va te faire foutre. Sors-moi ça. Avec un crit en plus de ça, bien joué. Raté. Les Astarions. Ah, sous la gueule. Allez, petite résonance de ki là. Bam, ça dégage. Eh ben j'ai pris cher, hein. Putain, casse-couille, hein. Peut-être se reposer. Petit court repos là. Et je pense que j'ai pas mal de potions, donc on va cramer des popos, hein. Voilà, parfait. Nickel. Ah et oui, du coup pour les sorts, avec mon broker, ça j'ai cramé mon truc niveau 5, donc je suis content. Je pourrais pas refaire de colonne de feu du coup, mais je vais quand même pouvoir faire ça quand même. On va remettre un sort de niveau... Ah, niveau 3, allez. Ça, je pourrais me remettre un sort niveau 2. Voilà. On fait ce qu'on peut, hein. Le berger. Les horreurs, ouais, ça par contre je sais pas si ça vaut l'intérêt, grand intérêt de les fouiller quoi. Ok. Pourquoi y'a un zombie là? C'est quoi ce délire? Il est pas mort lui? Je comprends pas. Je crois que si j'ai eu l'XP mais par son vide il y a dû avoir un bug, j'en sais rien. Là. Ok. S'ils disent. Bon, je vais aller là-bas quand même parce qu'il y a moyen d'aller là-bas et de récupérer un truc de zinzin là-bas. C'est quoi? Pierre de résonance. Ouais, on va récupérer ça, hein. Ça a l'air d'être important. Interface, bah je vais mettre la pierre de résonance peut-être, non? C'est pas ça qu'il faut mettre. Ah, il y a tellement de bordel dans mon inventaire que je sais pas ce que j'ai ramassé ou pas quoi, c'est... N'importe quoi. Quel enfer. Allez! Merde. Ça ne marche pas apparemment. Donc je sais pas ce qu'il faut mettre, hein. Archive mentale. Faut que je mette une tête là-dessus, sérieux? Mais ça dégrasse! Tablette runique. Interface à archive mentale, je sais pas ce qu'il faut mettre là-dedans. Sûrement une âme éveillée peut-être. Attendez.
On va voir, hein. Je suis pas sûr de moi du tout, là. C'est ça, ok. Ah non, ok, ça... Ça a pas l'air de marcher beaucoup, hein. On arrête pas de me parler dans ma tête, là. Coffre carthaginois, d'accord, ok. Des trucs de flageoleurs, quoi. Ok. Bon, y aura rien d'intéressant par là-bas. Nickel, allez. On se regroupe. On se casse de là. Y a quand même un truc là-bas, hein. Ça finit jamais. Parce que là, on arrivait de par là, hein, c'est ça? Non, on arrivait de par là-bas. Et là, on est en train d'explorer cette zone à la con. C'est ce bordel. Incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part. Quoi, ce bordel? Faut faire quoi? Faut que je fasse quoi? J'ai pas compris. C'est un truc pour ouvrir la porte, c'est ça? Quelle angoisse, je dois faire quoi? Ok, je me suis planté. Pas de foulier, les bons trucs, je crois. La raison qui est truc au-dessus là-bas, je pense. Ouais. Connecté au bon truc, je pense. Ok. La parole. La parole qui est là-bas. Je crois qu'il faut pas croiser les autres en plus. Et la mémoire. Ah ah ah. La mémoire, je suis baisé. Ah, parce que là, je dois pas croiser les autres trucs. Ok. D'accord, c'est un casse-tête à la con, hein. Tout con même. Attendez, là, il y a un truc qui va pas. Ah putain, ouais, j'ai fait de la merde, hein, du coup. On va retourner sur l'émotion, voilà. C'est le bordel, hein. Parce que j'ai pas le choix d'aller là, en fait. Avec lui. Avec lui, j'ai pas le choix d'aller là, en fait, au milieu aussi. Mais lui, c'est encore pire, parce que lui, j'ai pas le choix, je dois aller au milieu, quoi. Ouais, c'est le bordel, c'est le Delbor, mes amis. Lui, je dois aller là. Lui, je dois aller là.
Ouais, peut-être que lui, je dois faire autrement, en fait. On va changer ça. Retourner sur la raison, peut-être. Voilà. Essayer d'aller là-haut. Non, pas ça que je veux faire. Par là, donc par là, si je fais ça je fous en l'air mon truc pour la raison, donc c'est pas bon. Oh putain, ça me casse les couilles. Non, je veux pas faire ça, connard. Putain, comment on fait? Faut que je change un truc avec la parole, là. Ta gueule. merde. C'est de prendre le chemin le plus court, hein, le moins chiant surtout. Ok. Pour la mémoire, je crois que c'est bon, j'y suis, voilà. L'émotion. L'émotion, j'ai dans le cul en fait. La parole, elle me fait de la merde en fait là, mais casse-toi, pourquoi tu vas là? Voilà, l'émotion du coup. Si on va peut-être essayer d'aller par là du coup, mais putain, et ça me gave, hein. Voilà. Ok. Il reste plus que l'émotion. L'émotion, je galère tout le temps, hein. C'est compliqué. Par là, par là, par là, et normalement on est bon là. C'est bon là. Ça se par les couilles. Ok. C'est bon, ah putain. On aura mis le temps, hein. Explosion de cerveau, ouais, tu m'étonnes, c'était de la merde, hein. Non, c'est pas mal qu'il y ait des énigmes comme ça, hein. C'est quand même cool. Ça change un peu de gameplay. Oh d'accord, je prends ça moi. Si elle est là, elle sait pas pour rien. Pas relief profané, c'est quoi ce délire? Mon dieu. Putain. Just as suddenly, pain and memory. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. Ouais, bah écoute, hein, ils vont se faire mettre, hein. I don't know. I'm just glad it fell. Personne me suit, bah, c'est génial. Je retire ce que j'ai dit sur Pathfinding, hein, les gars, hein. Ça reste de la merde en barquette. Si je le mets là, lui. Bon, apparemment ça sert à R, hein, ce que j'ai fait. Donc je le vis bien. Nice, hein.
got going. Ah, c'est bon, je suis ressorti. Tellement plus agréable depuis que je peux sauter maintenant. C'est cool, hein. Alors, on continue cette exploration de merde. Eh, tue-moi ça. Je t'en supplie, hein. Dégage. Il y en a partout, putain, c'est insupportable. Ah, dès que j'en vois, je les bute, mais bon, il y en a tout le temps, donc... au bout d'un moment... Oh, on a un truc de restauration, là, ok. Nice. T'as mis du temps à le taper, hein, putain la vache, à retardement le bordel, hein. Attaque celui-là plutôt, toi. Parfait. Et celui-là. Bien joué Astarion, merci pour ta dévotion. Il y a tellement de trucs. Là, on peut se restaurer ici, oui. C'est vrai que si je le fais, je crois que je me restaure totalement, hein. La plateforme est déjà là. Ah, c'est pour appeler la plateforme, ok, ça marche. Prix récent. Ah, je sais pas si ça vaut le coup, hein. Ah, ça m'amène où cette merde là? Oh lolo. Ketrick Torm. D'accord, ok. Donc là, j'ai pas été, hein. Ok, donc faudra peut-être y aller. On est en mode restauration, c'est à dire que si on se restaure, bah on va affronter le big boss. Donc allez, on saute, hein. Let's go. On continue d'explorer parce que j'ai pas tout exploré, hein. Parce que c'est ça. Peut-être y aller discrètement parce que là je le sens pas trop. Oh putain, hey, c'est infini, hein. On se croira à bord du Nautiloid, quoi, là, hein. C'est vraiment le Delbord, hein. Don't waste the step. Une chaise visqueuse, note de Cressa. Putain, on se perd. Dans ce port de... Coffre rustique, oui, y'a quoi là-dedans? Pareil, 2 yens, c'est cool. Y'a des coffres à ouvrir. Apparemment c'est du vol, mais j'en ai rien à foutre. Parce quoi, c'est quoi ce délire? Je sens qu'on va se retaper des ennemis là, hein. General Thorm was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are trying to pull rank. Nice. Allez baston. Ils étaient occupés et là je sais pas, d'un coup ils sont téléportés derrière nous, bon soit. Baston, écoutez. Ça me va moi, hein, je m'en fous, hein. Bam. Il a pas aimé. Le coquinou. Maîtresse des amas, ça c'est... Faut que je la tabasse parce qu'elle va invoquer des ennemis et ça on n'a pas envie, hein. Allez, va la taper. Je vais te tabasser. Oh putain, t'abuses, hein. Ah, étourdi, voilà, ce que je voulais. Parfait. Oh, t'es étourdi, voilà. Rayon empoisonné sur un broker. Non, à pas réagir. Ça suit, ça bon. Non, fou les brumeux, c'est bon. On s'en fiche.
Qu'est-ce que je peux faire du coup, moi, de mon côté, avec ces conneries? Ah voilà. J'y vais dans le cul. C'est pas des morts vivants, ils s'en fichent. Ah, Starion est tombé, d'accord. Je sais pas pourquoi, mais ok. Qu'est-ce que je peux faire du coup? C'est pas les possibilités qui manquent à Combrocœur, mais bon, je sais jamais quoi faire, quoi. Impact divin. Allez. Avec le poison, hein. Paf. Il saute pour sortir de la glace, ok. Il peut pas réagir. Plus chirate, quoi. Comme un sgeg. Très bien. Ça me va, moi. Allez, Morux. Toi, je peux aller te tabasser, du coup. Oh, l'échec critique qui cause ma perte, quoi. Je sais pas comment je fais pour avoir un échec critique, mais bon, soit. La danse macabre, ouais. Coquinou. Bam. Très joli finisher. Ok, il m'a tabassé avec son fouet, mais c'est pas très grave. Bah, je vais le tabasser aussi avec mon arme, hein, go. Hein. Raté, c'est pas grave. Parfait, l'impact poison là, c'était très bien. Allez, attaque sournoise. Et petit coup dans les côtes. Bam, ça suffit. Ah nice tout ça. J'attendais pas à ce qu'on se tape des ennemis là quoi, mais bon ouais, c'est cool aussi hein. Have to keep going. Allez toi là. C'était elle la chef. Ouais, avec son fléau de merde là. Ah quel culte à la con hein. Je vous assure. Coffre rustique, on va fouiller tous les coffres hein. De l'or c'est toujours bien. Ah, ça peut m'amener du bon côté, apparemment, ce truc-là. On va y aller, hein. Hop. Merde. Peut-être les sortir, eux, là, hein, de tout ce merdier. Ok, donc on est rendu à combien de temps de vidéo, là? Que je regarde un peu, là, parce que... Ouais, 43 minutes. Bah écoutez les amis, j'ai envie de m'arrêter ici parce que là, ça a l'air d'être encore reparti pour une longue baston parce qu'il y a beaucoup de petites merdes, là, des voleurs d'intellect. J'ai envie de me garder ça pour le prochain épisode et on verra un peu pour potentiellement sortir les potes qui sont enfermés ici. Donc allez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous fais des bisous, à la prochaine.